Un Philippin ici qui venait chercher la Wi-Fi, il avait une tablette et sur sa tablette, quand il a été connecté, il est rentré en contact avec son épouse qui était aux Philippines, qui lui présentait son enfant qu'il n'avait pas vu, qui était né avant qu'il revienne dans le pays, il avait déjà un mois. On est au Seamen's Club de Bassins, le lieu d'accueil des marins du port de Bordeaux. Je suis Jean-Michel Degorce, je suis prêtre depuis 1970, d'abord en région parisienne et puis sur le Bordelais. Et sur le Bordelais, le père Ricard a demandé qu'on aide à mettre en place un service de la mission de la mer sur la Gironde. Le lieu le plus intéressant pour tout le monde, c'est bien évidemment le bar. Hein. Donc ça fait 10 ans qu'on fait ça. On a été formé par le CAPCO, c'est-à-dire par la mission ouvrière. Ils ont réussi à nous apprendre et nous donner envie d'être présents à ces gens qu'on ne connaît pas et qui sont les marins qui viennent nous apporter de la richesse à Bordeaux. Et ici, ça nous permet de leur proposer de prendre le bus ou le tram. Et donc d'avoir tous les papiers nécessaires. Pour, s'ils ont besoin de lecture, s'ils ont besoin de se faire plaisir, un baby-foot bien sûr. Alors les marins, nous sommes à leur service pour nous adapter à leurs demandes à chaque fois. Et les demandes, elles tournent principalement sur des liens avec les familles, sur arriver à discuter sur ce qui peut enrichir leur vie locale ou leur vie familiale. Nous arrivons dans les aspects sanitaires. S'il y a besoin, une douche, à supposer qu'on soit en panne sur les bateaux. Et surtout, s'il y a besoin de vêtements chauds ou de vêtements plus frais, selon ce qui est besoin. S'ils arrivent du nord pour aller vers le sud, il vaut mieux qu'ils aient des shorts. Et s'ils vont du sud vers le nord, il vaut mieux qu'ils mettent un pull vert. Mais ce sont des petits détails, mais qui permettent de s'adapter à la demande de chacun. C'est surtout pour eux un endroit où ils ont besoin de voir un autre cadre. Parce que quelquefois, ils ont passé 10 mois, 15 mois, voire jusqu'à 18 mois en mer, avec des escales quelquefois dans certains pays où ils ne peuvent même pas descendre du bord. Alors quand ils arrivent dans des ports où ils trouvent ce caractère social que leur offre, ils sont très heureux d'en profiter. Quoi. On a ce même souci de rendre visibles les marins dans le port et dans la vie. On va aller rejoindre ce bateau pour lui proposer nos services et selon leurs besoins, on les aidera à faire des courses, on les aidera pour les cartes SIM, pour discuter avec leur famille, on les aidera pour découvrir un peu un accueil à la française qui soit bien au milieu de nous. Et pourquoi pas de découvrir que Jésus-Christ n'est pas très loin. C'est pas interdit.